Aujourd'hui, Mika est une grande source d'inspiration pour moi depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. Et grâce à lui, j'ai pu comprendre que je pouvais m'exprimer autrement que la parole. Et ça m'a énormément aidée étant jeune. Voilà, vestimentairement parlant, je me suis énormément inspirée de ses clips, de ses pochettes d'albums, de ses tenues, de son travail en général. Et franchement, pour ça, je suis hyper reconnaissante. J'ai trouvé une réelle passion pour la couture et j'en ai fait mes études. Donc voilà. Et j'ai aussi fait quelques maquillages en rapport avec ses chansons. Je trouve que c'est un joli accessoire qui s'ajoute à la tenue. Et vraiment, le rendu visuel, il est important. Et j'adore ça, je m'éclate. Donc voilà. Et je voulais dire que je suis très fière de la personne que je suis devenue. Grâce à Mika et très fière de porter haut ce drapeau et je voulais tous vous souhaiter un happy pride et soyez fiers de qui vous êtes. Bisous! Coucou, alors voici une des créations que j'ai pu réaliser lors de la dédicace à Paris pour son nouvel album. Je me suis bien évidemment inspirée du nuage qui figure sur la pochette d'album. Tout est fait main de A à Z. Pour le deuxième custom, j'ai brodé Je ne suis pas à l'aise dans mes blue jeans en rapport avec la chanson Jane Birkin où j'ai eu la chance de monter sur scène avec Mika à Nancy. Oh waouh! J'ai aussi cousu un petit nuage sur mon bonnet. J'ai également réalisé quelques maquillages en rapport avec le travail de Mika. Beaucoup de ses chansons et de ses pochettes d'albums m'ont inspiré.